télévision parce que c'est aussi la télévision. Vous êtes en train de battre la main. Je ne sais pas comment ça se passe dans ce cas-là. Il y a un mini bon, il y a un mini bon, il y a un mini bon, il y a un T'as eu le policier? Il m'a pas répondu. D'accord. J'ai envoyé un SMS et j'ai laissé un message. D'accord, ok. Ouais, attends, je reprends le micro. Dis-moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. Ok. Ouais, c'est dans 20 minutes, ça. D'accord. Attends, je peux lui dire. Oui, écoute. Je suis comment au niveau batterie, écoute, la couleur a été là. Allô? Attends.
Ça va, t'as de la batterie quoi? Tu connais pas, mais j'ai un chargeur pour le. Joachim. Joachim, tu me rappelles, je coupe. Hein. On a une? Ah bah, ça va être à 100% ça. De la vie ouest, on est comment? Normalement, tu aimes bien. De quoi? Thank you.
Il part de Paris. Allô. Oui, bonjour, c'est Monsieur Ruiz à BFM. Oui, je suis à Nice et toi, vous êtes... Ouais. Ah oui, d'accord, voilà, c'est ça. Oui, vous êtes avec Karine. Oui, parce que, d'accord, bah, je connais Karine. Vous, on s'est déjà peut-être croisé, mais j'avais pas votre nom. Faut que vous soyez là. Ah oui, d'accord, ok. Écoutez... On est au Monoprix, vous pouvez venir vers le Monoprix, la Nice Étoile, parce que... Ah, normalement c'est à midi. Hein? Si vous pouvez venir sur les parents. D'accord, ok. On va rejoindre demain, oui, je vous ai pas prévu. Moi, il m'a dit que tu avais eu. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Bah, je l'ai appelé à l'instant, là. Ah, ok. Je peux venir, je suis en train de manger mon poisson, vite, tout posé, je suis parti. Ouais. Tu es en stage là? Ouais, et après j'habite juste à côté. Ah, d'accord. Du coup, comme j'avais la caméra, parce que là je suis ouais, pas mal. J'étais toute seule dans les contrôles là-dessus, tu vois. Ah, bah ouais. Ah, bah c'est bien, ça forme hein, pour un stage. Il y a personne qui a vu, mais il y a eu des gens qui avaient entendu. Voilà, c'est... T'es à l'école à Nice? Non, je suis à l'école de Tours. Attention! J'ai fait 2 années et je connaissais quelqu'un qui avait un stage aussi, on m'avait dit, ouais, c'était top. Ah oui. Ah, le rapide! C'est limité, c'est ça? Bah, c'est devenu un master depuis 2 ans. D'accord. Je pense que c'est une victoire. Ils y sont plus. Ouais.
peu pour eux, un peu pour téléfoot, un peu pour... Toi, t'es d'ici, les gars. Ça va pas passer, hein. C'est Paris. Bah après, tu vas bosser pour eux à Paris. Tous les fous ils sortent. Ouais. Moi c'est souvent comme ça. Ah oui. Allez, ça y est, ils se sont poussés des ailes. Il y a un mec qui passe avec un couteau à Avignon qui a menacé des passants. Donc apparemment il était chopé par le coup direct. Il y a bientôt, on va voir en Paris, un mec est sorti. Il a égorgé un chien. Non. Vous voyez la réunion là, le bobo. Ce qui m'a dit, c'est qu'il fait chaud quand même. Il a été abattu carrément. Temps, c'est là. Bah écoutez, un calme comme on a pu en connaître malheureusement déjà à plusieurs reprises, une avenue Jean-Médecin qui d'habitude grouille de monde, il y a de la vie, il y a de la joie, il y a des cafés, il y a des terrasses, il y a beaucoup de magasins, et puis il y a le tramway, et bien là tout est figé, alors on voit quelques mouvements, notamment des pompiers, des policiers. L'équipe du RAID visiblement a quitté les lieux tout à l'heure. Le périmètre de sécurité autour de la basilique Notre-Dame a été élargi. On voit beaucoup de policiers évidemment qui s'activent autour de cette basilique Notre-Dame. Ici, l'ambiance, pour tout vous dire, Bruce, pour l'instant, c'est le choc, évidemment, mais l'émotion va prendre ensuite le relais, parce que ici, c'est le troisième attentat en 5 ans, le 14 juillet 2016, février 2015 aussi, le camion sur la promenade des Anglais, mais aussi une attaque au couteau sur des militaires, ça c'était en 2015, et évidemment, pour les victimes de ce terrorisme ici à Nice, ce sont des souvenirs terribles qui remontent à la surface. Donc on a une pensée, tous les Niçois ont une pensée pour aujourd'hui ceux qui ont été victimes du terrorisme à Nice et qui essaient tant bien que mal de reprendre leur vie et qui, en voyant ces nouveaux attentats se produire à quelques mètres de là où ils habitent, eh bien ça ravive ces souvenirs très très douloureux, la plupart ayant perdu des enfants lors de l'attentat du 14 juillet. Il devait d'ailleurs y avoir une réunion entre l'association Promenade des Anges qui s'occupe justement, qui suit les victimes du terrorisme et un juge. Elle a été annulée au dernier moment à la grande colère de ces victimes. Donc, et c'était hier, donc vous voyez, eh bien, hier on a reçu cet appel de Promenade des Anges qui nous disait on n'est pas considéré, la juge nous a annulé au dernier moment, on est vraiment en colère. Et là, derrière, un attentat le lendemain. Donc on imagine l'émotion de toutes ces victimes du terrorisme. Et pour les gens, pour les Niçois, ils sont là, ils sont devant les rues balises et observent les scènes sans parler. On voit le camion de la Berry là qui est en train d'arriver aux abords de l'avenue Notre-Dame, devant la basilique. Voilà, donc la situation est plutôt figée, mais évidemment l'émotion va monter crescendo ici à Nice. 3 attentats, on le rappelle, en l'espace de 5 ans.
Ok. Ok. Ah, d'ailleurs, je vais régler l'image. Ouais, elle est assez floue. Non. Oui, oui. Allô. Oui. C'est bon. Ouais, sur vous. Pour l'instant, mais vous êtes dans le coin. Vous rappelez ? Oh. C'est les cheveux. D'accord. Ok. Bon. On est toujours 17 fois. Ok, ça marche. Bon. On peut se retrouver. Pour l'instant, on n'a pas de créneau disponible. Parce que l'image reste fichée en direct. Donc du coup, on ne peut pas bouger de ça. Mais je vous préviens si on faut faire un temps. Ok. Merci beaucoup. Merci. Pardon. C'est qui ? Le rassemblement ici. Ah, il va passer à la terre. Ouais. Pas grave. Ah, ça là. On s'est arrivé. Hein. Non, des mouches. Photos, les gars. Ça, si tu veux, branche. Branche-toi ma batterie. Ah ouais ? Ça charge vite. Ouais. Ah, bon, là aussi, ça marche pas mal. Ah mince, on a un duplex dans 10 minutes. Ouais. Je peux recharger mon téléphone. Tout à l'heure, oui. Ah ? Tout à l'heure, ouais, s'il nous reste. Vous en avez bonbons ici, non ? Vous restez ici toute la journée. Ah, oh, d'accord. Oh putain. Qui vous a dit ? Il y a des groupes qui veulent aller à Pasteur. Ah, pour l'assaillant ? Mmh. Oh yes. Comment ? Il faut que je suive ça, là. Hein, Julien ? Oui. Il y a des mecs qui veulent aller à Pasteur. Des mecs. Mais pour le frapper. Qui veulent buter le. Ah ! Ah, je comprenais bien. Pas. C'est des mecs qui veulent aller à Pasteur. Ils sont à l'hôpital ? Non, mais s'il y a pas de gens qui sont avec. Ah, mais c'est sécurisé, ils sont pas débiles. Ouais, mais bon, s'ils arrivent à 200. Non. Bah oui, c'est ça va vite partir en couille. C'est clair. Bah, t'es. Bah, si, si. Fais gaffe. Avec tout ce qui se passe là, franchement, je suis pas bon. Ouais, après bon. Après, c'est pas. Toi qui rentres. Ça marche. Là regardez ici. Oui, C'est là. L'armée, okay. Elle est descendue. Donc, ok. J'arrive pas à charger mon téléphone. C'est là. Non, je trouve ça. Ouais, Joachim, je fais pas de face-cam là. Il faut les garder. Qui interviewer qui ça leur donne encore plus de crédibilité. Attention, vous n'avez pas. Mais non, faut pas. Non. Interviewer. Torturer ou on leur fait un petit truc là, pendant 24 heures, ils sont... les tueurs en série, on les tueurs en... Mais pareil. C'est pour l'instant, ici, et tout là, je suis pense qu'on va aller au hôpital, mais c'est là que j'ai les meilleurs contacts. Non, là, je dirais que c'est toi qui avais dit tout à l'heure, il faut pour faire un monde. Oui, mais oui, c'est plutôt pour faire un monde, malheureusement. Si on était, si on vivait dans un monde parfait, non. Mais voilà, il faut des lois. Oui, on peut bien passer. Maintenant non, pas tout de suite. C'est pas de suite, finalement.
Mais c'est vers du coup. Ouais, j'ai moins 7. Ça change tout. Non, mais il peut se faire leur interview. Ah ouais. Il y aura le boom de midi, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, le boom ? On l'entend bien d'ici ? Oui, voilà. Le château, il est juste là. Oui, non, mais je sais. Mais... Ah, je vois que vous n'êtes pas niçois. Si. Non, mais je me demandais si on l'entendait bien sur Jean Médecin. Oui, en fait, j'ai jamais entendu sur Jean Médecin. Oui, j'ai jamais été à midi pile sur la pluie. On peut y aller ? Bien. Enfin, non, je suis de Valo ici. Non, moi je veux. Nice-Ouest, je n'entends pas ou j'ai le mot. Faut le. Franchement, comment il s'appelle limité, L'autre journaliste. Ouais, très bien. À la Marchal. Ah, c'est ça, à la Marchal, ouais. Il était armé d'un coup d'une arme blanche et il était pas venu. Je peux pas vous dire, après, il y a plus de place. Écoutez, moi, ce que je viens de cette part de connaître, c'est le profil de. C'est bon. Cette personne. Voilà, le profil de cette personne, moi, ça m'interpelle. Moi, j'ai envie de savoir d'où il vient, etc. Voilà. Tiens, j'en ai. C'est bien les distances sociales. Les motivations derrière, parce que. Je ne sais pas quoi. On n'a pas en direct. On n'a pas des éléments d'information. Voilà, c'est trop tôt pour avoir des éléments d'information et voir clair. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien compliqué de travailler là. Ah ouais. Oui, si on me sollicite, oui, si on me sollicite, règlement quoi. Je vais me mettre un peu plus loin. Tu regardes si tu m'entends bien, juste. Je vais me mettre là-bas. Макрон приедет, и он отпустит.
Oui, un homme est entré dans cette basilique Notre-Dame, armé d'un... Allô ? Vous m'entendez ? Oui. Alors, vers 9h, donc, un homme est rentré dans la basilique Notre-Dame et attaqué au couteau deux personnes, notamment une personne, le gardien de la basilique Notre-Dame, et puis une autre personne d'environ 70 ans. Il en a égorgé une des deux et ensuite est sorti et s'est attaqué à une troisième personne sur le parvis de l'église, une femme plus jeune d'environ 45 ans. On a pu avoir des informations provenant plus près du terrain. Cette dame d'une quarantaine d'années a donc essayé d'échapper aux terroristes. Elle a été grièvement blessée. Les secours sont arrivés, ont tout fait pour la sauver, mais malheureusement elle est décédée dans leurs bras et leur a prononcé cette phrase dites à mes enfants que je les aime avant de décéder. Donc voilà un peu le scénario qui s'est dessiné ce matin ici sur l'avenue Jean Médecin, l'avenue la plus fréquentée de la ville, avec la promenade des Anglais. Et donc personne n'a vu entrer l'assaillant, parce qu'il y a du va-et-vient évidemment dans une grande ville, et donc il a pu profiter de cet effet de surprise et arriver comme cela, armé, dans la basilique Notre-Dame et assassiner trois personnes. Oui, c'est le troisième attentat en à peine 5 ans. Février 2015, un terroriste s'attaque à trois militaires devant un centre israélite à quelques dizaines de mètres de la basilique Notre-Dame, toujours sur cette avenue Jean Médecin, plus proche de la place Masséna. Il essaie de les toucher au cou, mais les militaires ont le bon réflexe et parviennent à l'arrêter, à le mettre à terre et ensuite à l'interpeller. Deux militaires ont été blessés sur cette tentative d'attentat, et puis évidemment le 14 juillet 2016 avec 86 victimes, 86 morts, 450 blessés, des familles endeuillées, des enfants tués. On a d'ailleurs une pensée aujourd'hui ici à Nice pour ces victimes de l'attentat de Nice qui hier par exemple devait avoir rendez-vous avec un juge pour suivre justement la procédure judiciaire pour savoir où on en était. Eh bien, rendez-vous annulé, grande colère de l'association Promenade des Anges qui supporte justement toutes ces familles depuis 4 ans. Et donc c'est dans ce contexte difficile qu'elles apprennent un nouvel attentat. Et je sais, pour être en relation étroite avec plusieurs familles, eh bien que ces nouveaux attentats fragilisent évidemment ces familles. Moralement, c'est très dur pour elles. Je pourrais vous citer des prénoms, Thierry, Alain, Annick. Ils ont perdu des enfants dans cet attentat, ou des petits-enfants. Eh bien, voilà, le cauchemar recommence pour eux. C'est très dur pour eux. Et puis pour les gens qui habitent à Nice, eux aussi ont eu beaucoup de mal à se remettre de l'attentat de Nice. Ça a pris des mois, voire des années pour certains. Et évidemment, ça recommence. Donc c'est toujours ce genre d'événement qui vient rappeler combien Nice a été durement touchée par le terrorisme depuis 5 ans. Attention,
local. Oui, c'est Benoît. On a la personne du syndicat Alliance qui est disponible. Dis-moi. Ok. C'est ça. Ok. Vous pouvez vous mettre en place juste devant la caméra, s'il vous plaît. Ok, bah je perche. D'accord. On la voit. Pas de D'accord. Ou on recule ou on... Ouais, ok. Vous vous mettez tous les deux? Ça va être bizarre. Hein. Non, ça va pas raccrocher. Ça va faire bizarre, hein. Je vous jure. Ouais. Oh, c'est important qu'elle y soit, si on peut. Est-ce que vous pouvez reculer un peu, s'il vous plaît? Ouais, reculer. Vous voulez pas qu'on fasse un son après, Karine? Parce que là ils vont pas, ils vous ont pas titré, ils vont pas savoir qui vous êtes. Je vous jure que ça va les. Enfin, on les a pas prévenus. Il aurait fallu qu'on les prévienne. Bah vous pouvez pas les prévenir. Bah ouais mais ils passent dans une minute. Donc moi je veux bien mais. Bah, on fait le son après. On fait le son après. Attends. Ah, vous entendez pas? Ah, vous pouvez aussi. Vous n'avez pas entendu là? Moi j'entends, c'est ça. Entendez.
Marseille. Thank you.
Bon. Pour donner de la force avant du texte. Et... à tout à l'heure. Ah, en même fort, temps. Il est fort. Ouais, c'est du fort. Julien qui est là. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait du texte Pascal? Allons. Ouais. Et vos batteries, ça va être. Ok. Ben rappelle-moi sinon. Tu veux économiser la batterie, ça t'embête? Et attends, et les mecs, parce que c'est les PM que. Putain, tu les connais ? Non. Oh putain, oh là 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 là. Oh my god. Ok. Bah écoute, je t'écoute. Bah évidemment.
Ouais, ouais. Ouais, oui. Mmh. Ouais, ouais. Non, mais ouais. C'est bon, j'ai les infos sur comment ça s'est passé. Alors, il est rentré. En fait, j'ai l'intervention des policiers. En fait, le mec sort, donc il agresse la dernière personne. Les flics arrivent, ils essaient de le taser. Le mec continue malgré le. Ouais, continue à avancer. Donc l'autre tire, thorax, jambes. Ils arrivent à le mettre à terre. Et du coup, ils interviennent comme ça. Et le flic qui a tiré, il était là le 14 juillet. Et il était là lors du premier attentat. On est que c'est son troisième attentat. Allô ? Tu m'as parlé ? Allô, allô ? Putain, le mec. Tu m'as parlé, excuse-moi. Ok, ils ouvrent avec nous à 13h. Ok. Ça marche, on sera prêt. Putain, le mec, c'est Jack Bauer, le mec. Il va sur tous les attentats, quoi. En fait, il est rentré,
il a tué un mec, il est ressorti, il avait un opium sur sa route et il a... Il y avait une dame, ouais. Voilà. Le mec à Avignon a été abattu, hein. Oui. Non. Putain, t'imagines que tu es à la fermière, tu reçois le terroriste comme ça, avec le docteur. Oui. Tu vas le sauver. Ouais, ma femme elle est infirmière, je sais pas comment. Elle travaille dans l'animation, je sais pas comment tu vas lui dire. C'est le mot prend sa place, et elle va bosser dans un truc comme ça. C'est ton boulot, hein. Ah ouais, mais bon, putain. Ah, j'ai envie d'enfoncer un peu plus de, ouais, de trucs pour endormir, un peu comme ça, qu'on ne sait jamais. Tu peux le laisser en handicapé. Gardez-vous, ouais, madame. Gardez-vous. Non, il y a un véhicule qui arrive. Ouais. Ouais, ouais, Eric. Ouais. Ouais. Ouais, je suis à Nice Étoile. Ouais. Non, pas toi. Tu m'as tué avec ton des enfants, machin, laisse tomber. Tu es graqué en direct, je te jure. D'accord. Ouais, t'as une journée, quoi. Laisse tomber. Oh. Ouais, bah bon, en même temps, t'es là. T'es un ouf. T'es vraiment un ouf. T'es un malade. T'es un malade. Et faudrait que... Tu me donneras ton planning quand t'es là, parce que c'est les jours où il se passe les trucs à la con, donc tu vois, je ferai gaffe ces jours-là. J'irai pas chez le médecin, par exemple, le matin, tu vois, parce que je suis arrivé à la bourre, hein. Putain. Ah, putain, grave, je pense qu'on va couper les ponts, là. Ok. D'accord, ça roule, merci, à tout à l'heure, bisous. Bon, Benoît, à bientôt. Ah, bah, excuse-moi, parce que là, je suis dans le jus. Merci. Dans 5 minutes, ça marche. Allô ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? On fait un duplex ou on fait comme nous depuis ce matin ? Ouais. Ok, merci. Monsieur, écartez-vous, s'il vous plaît. Allez, tac. 53, bon, ça va, j'ai le temps. On est à pile. Écartez-vous, madame, s'il vous plaît. Non, 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 non.
Ah ouais, t'aimes pas le... Ah non, j'aime pas. Hein? Pourquoi il s'aime? Ah non, non. Je t'ai dit, ma femme, elle est infirmière. Ah oui, c'est vrai. Elle m'envoie des trucs. Non, ah ouais, ils adorent faire ça. Ouais. C'est l'enjeu. Ouais, bon, non, juste pour te dire que j'ai la photo du mec, voilà. Oui. Oui, tu l'as ? Ok, bon, ça va. Non. Un peu. D'accord, ça va, ok, très bien. Bon, ben, on reste en stand-by. Ok, ça roule. Ciao. D'accord, ok, merci. Pardon ? On va tester le micro. Ah, d'accord. Vas-y, dis-moi. 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends bien ? Du coup, là, je me mets... Visiblement, c'est un Tunisien. Ça va ? Ah, ben bah, je sais pas. Bah, il est juste à côté, hein. Oui, il a fait deux fois. Ah bah, à mon avis, il a dû arriver super tôt. Et Julien, il est là-haut ? Julien, il est à Tende. C'est le risque, hein. Il descend ce soir. Madame, vous quittez le centre dehors, s'il vous plaît. Écartez-vous. Bon, vous pouvez le reprendre. C'était ton frère? Qui ça? Le mec qui vient de passer. Non? T'as été trop sympa. Ça? Ouais. Ok. Non, c'est le correspondant de RTL à Marseille. Non. Hugo. C'est son frère. Ah, bah, tu le connais pas, Hugo? Non. T'as jamais bossé? Non. Hugo Hamelin. Ouais, trop simple comme deux gouttes d'eau.
Est-ce que tu peux, Julien, zoomer là-bas, s'il te plaît? Au maximum. Là par contre il ne reste plus qu'une petite barre à la caméra qu'il faudra changer après le départ. Alors donc ce matin, vers 9h, une personne pénètre dans l'église, la basilique Notre-Dame, et agresse au couteau deux personnes, le gardien de la basilique et puis une fidèle de la basilique qui était en train de prier. Ensuite, il attaque une troisième personne qui parvient à s'enfuir. Cette dame d'une quarantaine d'années échappe aux terroristes, traverse la rue. Les services de secours arrivent très rapidement. Cette dame vit encore. Les services, les secours essaient de la sauver. Elle a été touchée au cou. Cette dame, elle a le temps de parler. Elle prononce des mots. Elle dit aux équipes de secours cette phrase qui nous a tous bouleversés quand on l'a entendue. Elle a dit: dites à mes enfants que je les aime avant de succomber à ces blessures. Une phrase terrible à entendre, et pourtant c'est bien ce qui s'est passé ce matin ici sur l'avenue Jean Médecin. Les faits, ce sont aussi des interventions, surtout l'intervention de la police municipale, trois agents qui sont arrivés 10 minutes après parce que un passant avait appuyé sur le bouton d'alerte. Il y a à Nice, un peu partout dans la ville, des boutons d'alerte qui préviennent la police municipale automatiquement. Donc la police municipale arrive, trois agents sortent de la voiture, ils utilisent leur taser pour justement bloquer, mettre au sol le terroriste, mais ils résistent à ce taser, et ensuite ils sont obligés d'utiliser leurs armes parce qu'ils continuent d'avancer vers eux, et donc ils tirent dans l'épaule et dans la jambe du terroriste pour le mettre au sol, et il est ensuite emmené à l'hôpital pour y être soigné actuellement. Donc voilà les derniers faits dont on dispose. L'émotion est immense ici à Nice. Troisième attentat en l'espace de 5 ans. Février 2015, des militaires sont attaqués sur l'avenue Jean Médecin. 14 juillet 2016, 86 personnes succombent après qu'un camion ait roulé sur la promenade des Anglais. Donc les pensées des Niçois vont à ces victimes des attentats qui, évidemment, revivent ces moments terribles. Donc les pensées vont à toutes ces victimes, ces familles qui sont restées, qui se sont vues endeuillées, qui ont perdu des enfants le 14 juillet notamment, et qui aujourd'hui assistent de nouveau à cette actualité qui les touche, qui les mine et qui les replonge dans des moments très très difficiles. Et c'est toute la ville de Nice même qui replonge dans ce moment difficile. On sait que il a fallu des mois, voire des années pour certains, se remettre du 14 juillet. Donc c'est vraiment un traumatisme assez marquant ici à Nice, les trois attentats en l'espace de 5 ans.
qu'il a vu rentrer le gars dans l'église. Je sais pas. J'ai appris de mes filles. Moi j'ai appris de mes filles. C'est terroriste. C'est un Tunisien, visiblement. Tunisien. Visiblement. D'après les premières infos qu'on a là. Ouais. Il n'est pas mort ? Non. Non. Non, ils l'ont eu à l'épaule et à la jambe. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est le pizzaiolo. Bien. Oui, témoigne. Il était là, il buvait un café avec son patron, hein, à la fabrique juste en face. Bon. Il a vu rentrer un gars. Bon, il m'a donné son famille, son âge. Donc... Bon, on le fait. Je pense que c'est vrai. Je dis, enfin, moi, je... Tu décoches. Allô, allô. Elle est une valise en plus. Allô, allô. En fait, elle a mis la fréquence. Allô, allô. Attends, parce que là, on peut pas bouger. Attends, faut que je demande aussi. Ouais. Ah, tu demandes ? Okay. Allô. Sinon, je le fais venir ici. Oui, mais dans tous les cas, il va falloir qu'il coupe l'image pour qu'on puisse le, ouais, le mettre en place, quoi. Même si on le fait en direct. Non, ma copine se parle l'anglais, mais moi je ne sais pas parler anglais. Est-ce qu'on peut vous solliciter deux minutes on est juste là, avec la caméra, on ne peut pas bouger. Parce que du coup, il y a l'image qui est fixe. Vous pouvez venir juste ouais. Là. Donc vous êtes pizzaiolo, c'est ça? Ouais. D'accord. Et vous êtes en face ou à côté? Presque sur le côté. Sur le côté là, ouais. Juste avant? D'accord. Après la cathédrale. Hein. Après la cathédrale, ouais. D'accord. Avant le pont, avant le pont SNCF. Vas-y, tourne la caméra. Il y a tout le monde qui vient. Ça fait la première fois que ça m'arrive. Ouais. Ouais, j'espère la dernière. Putain. Attends. On décroche. On va décrocher là pour faire une interview. On a un témoin. Après j'ai entendu des coups de feu. Oui. Tu veux qu'on prenne en direct ou pas? Non. Oui, j'attends mes mecs. C'est bon, allez, on décroche. À l'arrière. Je pense que c'est la brioche. La brioche chaude là-bas. La brioche. C'est faire là. Ouais. Brioche. Comment vous réagissez justement? Ça fait peur quoi. Attendez, je décale les mains. Pas les gens derrière. Ça fait bizarre, ça fait la première fois que ça m'arrive.
Votre prénom, c'est ? Monsieur Thibault. Aurélien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? J'étais en train de boire un café avec mon patron. J'ai vu un mec rentrer assez rapidement dans l'église, habillé en noir, 8h50, 9h. Et la police, elle est arrivée vraiment vite pour rentrer pour faire un périmètre de sécurité. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Vous l'avez vu rentrer puis ressortir ? C'était quoi la... J'ai vu des mecs rentrer assez rapidement. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, il était habillé en noir. C'est tout ce que j'ai vu. D'accord. La police est arrivée rapidement. Vous avez entendu des coups de feu ? Ouais, beaucoup. 5-6 fois. D'accord. Et vous étiez où ? Sur mon lieu de travail. Ouais, sur mon lieu de travail. Quel est votre sentiment ce matin ? Vous êtes, ça fait bizarre quoi. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai travaillé de nuit, j'ai pas encore dormi. Je suis réveillé, je suis au travail depuis 19h, j'ai pas encore dormi. Ça fait bizarre. On n'est pas à l'abri du vent quoi. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Votre sentiment, c'est quoi aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous ressentez, monsieur ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? On n'est plus en sécurité avec tout ce qui se passe. En plus, c'est de la faute de Macron. Je pense qu'il s'exprime mal aussi devant les personnes, devant les citoyens. Parler de religion et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il s'est mal exprimé et je pense que ça fait des déclics dans la France. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Par rapport à la liberté d'expression, aux caricatures. Aux caricatures, les musulmans, je pense que ça fait un déclic au niveau de ça. À propos de ton discours d'hier, mal formé les phrases, avec son air niais. Voilà. C'est un peu. Merci. Est-ce que vous avez vu exactement, monsieur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Un mec rentré habillé en noir, assez rapidement dans l'église. Plusieurs personnes. 5-6 personnes. Quoi, 5-6 personnes ? 5-6 personnes rentrées dans l'église et un mec habillé en noir, en costume. Thank you.
ça va tellement. Ce matin, et du coup, il m'a dit merci d'avoir parlé. Début, là, on pense que Macron est en train d'arriver, donc on est loin, mais il faut. Merci. Bon. Ben non, mais on. Ouais. Bon. Je le pense, parce que c'est bien. Bon, plus prosaïquement, est-ce que quelqu'un de Promenade des Anges accepterait de prendre la parole là, qui sait qu'on pourrait faire intervenir? Pour moi, une personne qui parle au nom de l'association, comme j'ai dit à Thierry, qui, bon, il ne veut pas trop m'écouter, mais je lui ai dit, Thierry, c'est le moment de faire.
passer des messages, c'est-à-dire s'il y a des attentes des familles victimes, s'il y a des choses comme ça, c'est vraiment, tu vois, c'est ça qu'il ne comprend pas au niveau du timing. Je me dis, est-ce que toi tu peux le convaincre ou est-ce qu'on peut avoir quelqu'un de PDA? Parce que du coup, ça serait l'occasion de parler de tout ce qui se passe autour du 14 juillet. Là, après, je sais comment c'était. Ils sont carrément rentrés, quoi. Ils n'ont pas arrêté là-haut pour sortir, quoi. Ils sont rentrés dans l'axe. Tu sais ce qu'ils voudraient, ils sont dans l'axe. Il y a une équipe dans l'axe. Il y a un plus, surtout. En plus, bon, ça va. Bon, on a l'arrivée. À part Thierry, je sais pas. Tu penses à qui, toi? Il n'y a pas d'autres personnes dans le bureau qui... Ah ben sinon on peut aller le voir à Lyon, si d'accord. Tu peux lui poser la question? Demande-lui de parler au nom des victimes, de parler de ce qui s'est passé avec le juge, la juge, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, tu me rappelles? Je pense que oui, et tu veux être sûr. Allez, c'est gentil. Allez, voilà. Allez, courage. À tout. Ciao.
Oui, mais pour quand tu sors, pour ce truc comme ça, mais pas quand tu vas travailler. Si, c'est ça. C'est ça que je veux. Si tu n'es pas capable d'avoir ça, je vais aller rôder la nuit. Je vais aller rôder la nuit. Toi, tu étais au bureau hier, il y a une clé USB en train de dire. Oui, c'est à moi. C'était toi. Non, non, mais elle était avant. Je l'ai posé avec l'ordinateur allumé. Hubert, il laisse. D'accord,
Ce que je vais faire, vous avez besoin de quoi, parce que sinon je peux aller au bureau, je ne sais pas. Rendez-vous sur le trottoir, s'il vous plaît. Il faut que ça s'aille retour, j'en ai pour une demi-heure. T'as plus besoin de moi là pour l'instant. Image en direct. Comment? Oui, oui, oui. Justement, je vais chercher les Julien. Julien, il reste à côté de la caméra, il filme, et moi, je vais chercher des batteries. D'accord. Ok, ça. Deux sujets, c'est un sujet et demi. D'accord. C'est bon, c'est sûr. Ouais. Ok. Ok. Ça va. Allez. À tout. Ciao. Attention au poteau et on va retirer jusque là-bas. Reculez, on va vous bouger là. Messieurs, dames. Je m'entends. On va devoir bouger. Attends, je te prends. Reculez vers les magasins. On va faire du cortège des gars. On va faire hauteur du centre commercial une étoile. Allez, on y va. Ah, c'est penché. Alors, je ne connais pas super bien la topo, mais je pense que les jeux sont Madame, s'il vous plaît, là. C'est pareil, reculez. Reculez 10 secondes. Reculez, madame, s'il vous plaît. Pas plus que ça. Caméra, vous transmettez. Après, si vous mettez votre caméra, on peut s'accrocher à votre caméra. Vous pouvez vous appuyer dessus. Hein. Non, mais il faut que je sois assez loin. Hein. Vous allez jusqu'où là? Ah, vous voulez tenir le truc dans la caméra? Non, je reculez là, s'il vous plaît. Excusez-moi, reculez. Qu'est-ce que vous attendez là? Un Tunisien, on va le voir. Vous le verrez à la télé. Mais non, on veut le voir en vrai, non? Encore un peu, si vous pouvez, qu'on soit au maximum. Oui, mais on va reculer parce que les gens sont très bons. C'est bon, hein? Allez-y. BTX 116 de TN. Merci à vous. Exactement, on est le corps. Voilà, bien fait, c'est bon. Bon, ok. On est bon? Ok, bon. Attends. Alors. Mais en fait, il t'en reste deux. Attention, laisse. Non, c'est l'ancien. C'est là qu'il faut pas. On va commencer. C'est là qu'il faut pas.
On les envoie à Paris. Paris, est-ce que tu m'envoies à Paris?
Eh bien, aider ses victimes, aider à prendre en charge ses victimes. Le président de la République qui va donc, dans quelques minutes, s'approcher de ses forces de secours. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que le quartier est bouclé. Il y a un important dispositif de sécurité et les habitants qui sont particulièrement émus, eh bien, sont tenus à distance, sont tenus assez loin puisque cette émotion, elle est bien présente. Ce quartier, il est très fréquenté. Ici, on a des grandes enseignes et une artère qui est très fréquentée par ces Niçois ici.
sanitaire. Oui. Oui, le président de la République qui est arrivé il y a une quinzaine de minutes maintenant et qui, depuis son arrivée, bien, prend le temps d'échanger sur place avec ses forces de sécurité, ses secours qui sont mobilisés, qui ont œuvré depuis ce matin à stopper l'assaillant ainsi qu'à porter secours aux personnes qui ont été touchées dans cette attaque. Vous le voyez, ces policiers municipaux et nationaux, ils font partie de ceux qui sont intervenus les premiers ce matin aux alentours de 9h10 après avoir été alertés par un ou plusieurs habitants. Il y a également des pompiers. Ils sont une cinquantaine au total de part et d'autre de cette avenue à attendre, eh bien, que le président de la République les salue. Tout le quartier a été bouclé avec un important périmètre de sécurité. Et ce qui nous frappe ici, c'est, eh bien, c'est le silence, cette solennité qui accompagne la venue du président de la République dans ce quartier très fréquenté habituellement des Niçois. Alors on ignore encore si une prise de parole accompagnera ce déplacement puisqu'une estrade avec un pupitre avait été installé avant d'être finalement démonté.